Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, l'image devrait apparaître, voilà. D'un instant à l'autre, on se retrouve du coup pour la bataille contre Festus comme promis. Alors je me suis placé, j'ai fait le chargement etc. et j'ai fait le petit placement de bataille. On est en défense, on va s'appuyer plus ou moins sur cette forêt et ce petit rocher. D'ailleurs je me dis que j'ai peut-être même un petit chouïa plus... m'orienter par là pour être mieux placé pour tirer. En gros, notre problème principal c'est Festus, gros lanceur de sorts, il a des attaques enflammées, il a de quoi soigner ses potes. Donc ça va clairement être notre problème principal, je pense. L'objectif du coup va être si possible de le flécher le plus vite possible. Dès qu'il va commencer à s'approcher. Sachant qu'on a quand même beaucoup de héros, ce qui est plutôt cool, mais qui sont relativement bas niveau. Ce qui est moins bien. Évidemment. Par contre, on a du forestier, on a de la pointe stellaire. Y a moyen qu'on pique un peu. Donc on a une espèce de ligne en U, pas tout à fait un carré, mais un... quelque chose d'un petit peu étendu parce qu'il y a beaucoup de corps à corps en face, zéro tireur hein, toujours avec avec Festus. Il a un petit peu de cavalerie avec ses chiens du chaos mais c'est que dalle. Est-ce que on a des sorts un peu énervés? On a le pendule du destin. Pourquoi pas? D'accord, c'est un vent. On a du miasme, encore du miasme mais du miasme amélioré ici. Et toi? C'est un éveil du bois qui pourrait être intéressant sur les trucs qui s'approchent. Bimieux la vitesse quand ils seront un peu plus proches. T'as aussi ça. Et il y a un temps de repos, donc c'est pas une limite. Il peut en faire autant qu'il veut lui. Plutôt pas mal. Là, je suis pas inquiet de ces trucs là, hein, franchement. Ça me fait pas peur du tout. Par contre, pourquoi il tire pas là? Si, quand même, il va être temps, on est d'accord. Oh, sacrée résistance du monsieur! Il va être temps d'y aller, ici. Non, faible contre un seul de guerrier, c'est pas ce qu'il nous faut. Là on va les choper pendant que, avant qu'ils amusent à faire trop le tour. Ici pareil, en avant. C'est du maraudeur de base. Festus il est pas encore à portée? Non, pas encore mais il s'approche. On va balancer un petit éveil du bois juste là. Commencer à titiller un peu et je pense que derrière ce mec là il va falloir qu'on se le fasse avec Celesta. Ah, ici il nous casse les burnes mais ça y est on a réussi à les choper. Ici c'est pareil, on les a chopés, là c'est la déroute. Alors ce qu'on veut c'est vraiment surveiller Festus. Dès qu'il est à portée, ça y est il est à portée. Je veux qu'on l'allume. Là, on va balancer ça. Non, peut-être plutôt... ouais non, pendule destin, on va attendre un peu. Non, putain, merde. Stop. Stop! Arrête-toi. T'as lancé ce sort? Pas encore. Vas-y, lance-le. Voilà, parfait. Et là, on va balancer un petit sort comme ça. Toi de ton côté, tu peux commencer à balancer du miasme, mais c'est un peu loin. Ici on est parti, ici on peut relancer encore un sort. Bah vas-y go. On va cramer de la magie. Hein. Résistance aux projectiles, c'est pas vraiment le thème. Là ils se prennent des tiramis en vrai. Donc il va falloir arrêter les conneries. Festus il est pas encore proche, mais on pourrait commencer à taper sur la benne de Nurgle, cela étant dit. Allez, faut me flécher ce con là.
C'est qui quel truc pour ralentir? L'éveil du bois, ok parfait. Donc on leur a mis un petit malus de vitesse ici. Là, machin, il est à portée. Découpez-le. Ça c'est du nurgling, on s'en tamponne un peu. Les trucs du chaos là. Bon, ils vont sûrement se reformer, mais en attendant ils sont cassés. Ici pareil. On va pas les poursuivre, hein. On peut pas courir après des chiens du chaos, y a pas moyen. Par contre, il faut qu'on commence aussi à diminuer un peu les saloperies. Genre ça là, c'est de l'arme lourde. Ça va être gênant à gérer. Allez, on a au moins 3 tireurs bien efficaces sur la tronche de Festus là. Je veux qu'on le défonce. Ok, lui il a fait demi-tour. La bête de Nurgle, on est censé perdre contre elle, intéressant. Ah putain, il nous a mis un espèce de vomi là. On va balancer un soin là. On va commencer à avancer ici. Là ils sont déjà reformés. Non, pas encore. Ils vont revenir, hein. Clairement, ils vont venir nous casser les... Voilà. Là on va arrêter de charger ça, par contre du coup il nous a mis quoi? Potion nauséabonde, dégâts des armes, attaque en mêlée, ah oui. Gros gros malus quand même. Toi du coup t'as fait le taf, c'est nickel. Repasse en mode tir pour commencer à tirer là-dessus. Là ça shoot, là on a plus de magie ici. On va charger sur ces maraudeurs à deux, on va continuer de contourner avec eux, peut-être même plus par là. Il y a un géant qui s'approche, mais l'objectif, la priorité, c'est Festus. Là, je pense que la menace, c'est juste à cause de notre malus, hein, mais franchement, pas dans le mal. On va balancer un petit truc. Ah non, il est en train de lancer... Excusez-moi, il est en train de lancer ça. Vous, vous allez plutôt changer de cible, aller viser là, parce que lui, il a décidé de faire son relou. Ah la vache, il s'est faufilé. Le fumier quoi. Bon, on va continuer de tirer là, tant pis. C'est un peu con mais il faut continuer. Ici on allume, là ils reviennent, j'imagine que derrière ils vont revenir aussi. Ouais, ok, très bien, pas de soucis. Vous essayez donc d'aller les intercepter. Faute de mieux, niveau magie. C'est pas la fête, et là, non, là, du coup, non, va falloir rester en ligne, tant pis, il y a lui qui va nous casser les roubignoles, mais est-ce que toi, tu serais pas dispo? Si, toi, t'es dispo pour aller t'en occuper, vas-y, va t'en occuper. On défonce Festus. Excusez-moi. Ça tousse. Non, rester en... On s'en fout des projectiles. Ok, Festus est en déroute, ça c'est un très très bon plan. Toi t'arrives pas à lancer ton sort. Donc charge. Ici, ils sont en déroute, c'est parfait. On va aller là, reculer avec eux. Là, on est un peu de mal à tenir. Il va falloir qu'on se jette un peu dans la mêlée. Toi t'es une Amadriane en vrai, tu peux charger. Et toi, un petit bonus de commandement. Allez, vas-y, fais tomber le commandement ici, fais-toi plaisir. Donc Festus est en déroute, ça va nous libérer des archers. Qui d'ailleurs vont plutôt essayer de se faire celui-là là. Donc cela recule. Et vous tirez sur le géant. Tirer sur le géant. Toi tu veux pas lancer ton trio là? Tu peux pas utiliser si t'es en mêlée, c'est ça hein. Non, visiblement c'est la galère pour l'utiliser. Je comprends, je comprends. Qui c'est qui s'enfuit?
Ah, c'est au centre là, ça s'est totalement effondré. Il faut qu'on récupère du monde qui est sur ce flanc. On va demander de courir un peu ici. Normalement, on doit avoir de la dryade qui glande là. Ça, c'est quoi? Des déchus de Nurgle, ils sont pas encore totalement en déroute. On va aller pousser par là. On a un petit peu de dryade ici. On est en train de découper lui grâce à notre tir. Et il va être temps d'y aller là. Alors toi, j'ai pas l'impression que tu glandes. Ok, Festus revient. Shootez-le. Shootez-le. Ici, on a réussi à gérer, à faire fuir le héros. Le géant, il se fait découper. Nickel, il est temps de commencer à tirer sur ses cons. Festus est mort, ça c'est parfait. Un petit éveil du bois. Non, c'est un petit peu. Ouais, quoique si on peut le mettre là. On peut le mettre là. Vas-y, envoie. Fais-toi plaisir. Du coup, ici on est bien placé pour tirer dans le dos de ces gens. Toi, tu vas aller t'occuper de ça. Le géant est décédé. On a une danseur de guerre qui est en déroute. Les chiens du chaos ici reviendront pas. Ici. Ils sont enfuis visiblement, c'est parfait. Ici on était suffisamment nombreux pour les faire partir en déroute. C'est plutôt cool. Ah, ils vont se faire découper là par les tirs. Allez go, fonce-toi, et t'en y aller. Là on galère même face aux Nurglings, hein. Ils sont costauds ces connards de Nurglings. Là tu peux peut-être enfin lancer ton sort, non? C'est ouf, ils arrivent pas, hein. Attends, ils sont plus ils sont en déroute là. Tu l'invoques? Quand même. Bon, c'était histoire de. Du coup j'ai pas regardé le reste, mais il devait rester des enfants de Nurgle qui. Partait, qui voulait pas partir en déroute. Victoire de justesse, ouais, mais victoire quand même par rapport à une défaite, c'est toujours mieux. Festus est mort, donc ils vont probablement popper un nouveau héros, mais bon, par rapport à Festus, il sera forcément moins bien. Eux, c'est géré, tout ça, c'est géré, ça, c'est géré, la bête, c'est géré. On a réussi à annihiler tout ça. Ces deux-là, ils sont. Eh bien, eux, ils ont rien pris. Ça doit être ceux qui sont arrivés sur la fin là et qui galéraient un petit peu. On a géré un héros, le deuxième est quasi mort. Je pense qu'on va pouvoir pousser. Du coup, on va prendre 20%. Ouais, 20% on prend. Ça va nous permettre de pousser. D'accord. Ah, il vient avec Snark Chic, l'enfoiré. D'accord, intéressant. Ça, c'était pas prévu. Je sais pas d'où il est sorti, Snark Chic, là. Bah du coup, on va la faire. Hein. Défaite de justesse, pareil, je pense qu'on peut se la faire. Ça va être une bataille sur le champ. Ah oui, une bataille avec goulot d'étranglement, bah, parfait. Toute sa cavalerie et tout vont être neutralisés. Une fois de plus, on commence. Alors, il va falloir que Minneld reste bien derrière. Je sais pas s'ils ont des sorts de distance vraiment. Ouais, une fois de plus, on va avoir une ligne de front qui vaudra ce qu'elle vaut. Et des héros qui vaudront ce qu'ils valent. Mais je pense qu'il y a moyen. On a les Zolts qui sont en pleine forme. Est-ce qu'on a. Ouais, on a du soin, parfait. On va foutre tous les héros bien en tas et on va les soigner. Alors, du coup. Eux, on peut les mettre directement ici. Avec des petits lémures devant, un petit lémure au centre, un petit lémure dans la forêt là. Tu peux pas. Voilà.
Les lances qui vont tracer. Vous vous mettez bien en tape et on va vous soigner. Vous pareil, prêt à courir. Vous, on peut vous déployer. Pas de raison. Toi, tu te prépares à courir, tu vas aller te poser, je sais pas où, mais dans la ligne. On va te laisser une petite place sur un côté, voilà. Tu iras par là. Et vous, bah, je sais pas encore ce que je vais faire de vous. On verra. C'est parti. Alors, mettre pause. Donc, déjà là. Hop. Régénère les PV des combattants. Bim. Et bim. Ça, c'est fait. Ensuite, vous. Donc, il va nous falloir en quelqu'un ici entre les murs. En courant, s'il te plaît. Et deux ici qui tiennent l'autre côté. Parfait. Les renforts à l'arrière, ils peuvent marcher. L'archer, il va dans le trou qui est là. Et il court. Vous, vous pouvez marcher jusqu'ici. Vous êtes déjà en position. Et vous, vous soignez. Vous viendrez ensuite. Voilà. 0,80 de soins par seconde. 0,80 soins par seconde. C'est bon. Commencez donc à avancer du coup. Je pense qu'il va attendre ses renforts, ouais. Donc nous, pas de stress. On crame du mana comme des gros sacs. On se soigne. T'es déjà loin devant la dryade là. Du coup elle a pas pris le soin, tant pis. Ah mais pourquoi il court aussi? Je pensais pas leur avoir demandé de courir. C'est pas hyper grave. On a une réserve de magie qui est quand même bien bien énervée. Bonus de charge ici, toi t'as être du dessous. Très bien. On continue de se booster, pépouze. On passe en vitesse 3. Ils sont un petit peu trop avancés, on va les reculer un chouïa. Les renforts ennemis sont en approche, donc c'est deux armées de quand même plutôt bonne qualité. Hein. On a la chance d'avoir un goulon d'étranglement, alors il y a des plongeurs, on va devoir les accepter. Ok, on est bien soigné, il va être temps de commencer à attendre que la magie se recharge, ou on en recale peut-être un de plus. Allez, un petit dernier. Pour le plaisir. Bon, il a que une catapulte, donc je pense qu'il va avancer. Voilà, parfait. Archi qui est level 16. Nous, on est level 12, c'est pas si mal. Il avance en mode gros bœuf. Est-ce qu'on peut déjà commencer à balancer des petits sorts comme ça? Pas encore. Ça fonctionne ou pas? Là où on est, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Ah cet échec, sans déconner. Tire sur qui hein? Sur les. Sur Monseigneur, peut-être. Ok, ils sont en train de charger là. On va balancer ici un petit être du dessous. Un petit miasme, c'est trop proche. C'est trop loin. Allez, les tirs là.
Le petit traître du dessous qui fait plaisir. Un petit miasme. Vas-y. Il va être temps d'y aller. Toi, t'es censé être un capitaine de clairière. Donc go. Les troupeaux de squigs, ils ont chargé, ils se font dépouiller. Tu vas aller faire un petit coucou par là, tant qu'à faire. Toi c'est pareil, il est temps d'y aller. On s'en première ligne là, tiens bah plutôt sur eux là. Il y a du zigouilleur. On doit avoir des flèches de Kurnos là, oui on a carrément des flèches de Kurnos, tiens. Boys Orc ici. Boys Orc ici. Go, chargez là-dedans. Ah bah t'as lancé ton sort? Non, t'as pas lancé ton sort. Hein. T'es dans le tas, ici. T'es dans le tas aussi. C'est censé perdre contre des zigouillards, c'est sérieux? Prenez un petit bonus de résistance. Et un petit soin, tant qu'à faire. Toc. Ici, il y a le danseur de guerre qui est là. Alors, on va plutôt. Ouais, non, t'es trop par là, toi. T'es trop engagé de ce côté. Il faudrait que ce soit la Madriade qui aille s'en occuper. On va aller ramener un peu de morale sur ce flanc là. Est-ce que on va envoyer un comme ça s'occuper de lui là? Pour l'instant ils sont pas hyper utiles sur ce flanc, ils vont passer au-dessus des archers rapidement. J'ai aucun doute qu'on va gagner la bataille d'archers, même s'ils sont nombreux. Il est temps de se bouger. En avant, vous, c'est parti, c'est parti. Il n'y a plus le temps de buller là. Là, c'est la grosse baston. Il faudrait soigner un peu ces lanceurs de guerre, s'il vous plaît. Toi t'as quasiment rien pu faire ma pauvre Valnal, mais bon, c'est comme ça. Tu pourrais éventuellement aller filer un coup de main. Y'a quoi? Y'a du gobelin ici, y'a du gobelin. Allez vas-y charge. Go là, faut aller me gérer ces cons là. Là on va neutraliser ça une fois pour toutes. Là ça part un petit peu en déroute partout, c'est parfait, en plus les bords sont assez proches. Sans surprise, les tireurs ils se font découper dès qu'on les vise, ça me va tout à fait. On va balancer... Non, on n'a pas assez de magie. On va balancer un petit sort de soin là-dedans. Pour soutenir un peu, en plus ça peut causer la peur, c'est quand même un bonus qui est pas dégueulasse. Ok, là c'est complètement en déroute. Est-ce que les Zolt ils pourraient pousser un peu? Ici ça a l'air de céder. Hein. Les Rangers par là, toi par là. Le capitaine de clairière commence donc à nous faire mal à ces cons là. Non, les danseurs de guerre ils vont se mettre par ici. Là on va continuer de taper sur les zigouettes. Les Zolt ils peuvent charger. Ici on n'a pas encore récupéré, là-bas comment ça se passe? C'est en déroute, parfait. On va continuer pour essayer de s'assurer que ça le reste.
Est-ce qu'on voit Snitch? Ça c'est pas Snitch, il est trop bas niveau, il est où Snitch? Il est là, Snartchik là. Ah ok, c'est la bonne baston là quand même. Hein. Commencez à tirer là-dessus. Les archers là, qu'est-ce qu'ils foutent? Reculez, pareil pour vous, putain mais les gars. En arrière. Soyez pas cons. Là ça va être la déroute, commencez à tirer là-dessus. La dryade, go. C'est pareil, il commence à faire n'importe quoi. Tirez plutôt là-dessus. Ici, c'est la déroute. Il faudrait qu'on commence à tirer peut-être pareil dans les... Dans le tas là-bas, là. Dans le tas là-bas, ça me paraît bien comme... comme tir. Toi, t'es au contact contre des gens. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, balance donc un petit... Un petit sort. Toi, traverse les aiguilleurs là. Pourquoi t'avances pas? Voilà, c'est parti. Ah merde, ici ça s'est écroulé, on dirait. Dommage. Où sont nos rangers? Ils sont là. Ouais, c'est les héros hein, qui sont énervés hein. Il faut qu'on rapatrie eux du coup. Même non, vous pouvez rester en corps à corps, courir par là. Là on chope celui-là, pourquoi pas, là ça tient comme ça tient, ici ça va être des archers qui vont tenir, hein. Devant c'est quoi? C'est des squigs énervés. Il y a Snarchy qui est deux orques noirs. Ouais, faut qu'on les flèche. Fait chier mais faut qu'on les flèche. Donc vous lancez votre Kurnus. Là vous êtes censé perdre, je suis pas convaincu quand même. Ici on pousse, les igouillards ils font mal aux fesses. Ils reviennent. Ici il faut vous soigner un coup. Là, mettez un coup de soin là-dedans. Pareil, un autre coup de soin, on a un petit être du dessous qu'on va lancer dans la foulée, eux ils reviennent en courant. Allez là, explose. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, on est où? On est là. Contact avec des gens qu'on devrait pas forcément être au contact. Il faudrait qu'on aille dans le dos là. Ici j'en reviens pas, on est en train de perdre que face à ces cons là. Mais il faut arrêter les conneries. Il y a bluff. Là, balance une flèche de Kurnus là-dedans. Après, charge. Putain, c'est les chefs hein, qui vont nous faire mal, hein, comme d'hab. Hein. Recule un peu, toi. Il est temps. Là, faut y aller, là. Mais non, mais vous, qu'est-ce que vous foutez? Putain, ils ont arrêté de charger, du coup, en lançant leur truc. Bande de débiles. Peu de soins, là il y a les lémures qui sont plus ou moins reformés. Ils sont où nos autres lémures là? Ils tapent dans le tas. Ici il faut que ça cède hein, sur ce flanc. Non, ils sont trop loin. On pourrait envoyer un peu plus de renforts. Spellweaver ready. Putain,
Heureusement qu'on a boosté les capitaines de clan et qu'on a reboosté leur vie, hein, parce que. Putain, quoi. La violence de ces troupes là. Moi, ces zigouillards qui sont capables de défoncer de l'elfe. C'est n'importe quoi. Tiens, va mettre un peu de pression par là-bas, toi. Je pense que t'as les capacités pour le faire. Allez, les éclairants des bois profonds, ils sont pas faits pour ça. Hein. Ça se voit. Ok, ici ça se déroute un peu. Ils sont où nos autres faucons là? Ils sont tous les deux là, nos faucons. Ok, il faudrait en sortir un autre pour aller s'occuper de ça si possible. Ici, encore 88 zigouillards, mais sérieusement. Comment c'est possible quoi? Vous, faut arrêter là. Repliez-vous dans le dos de ces gens, mais faut le gérer. Là, lui, il est en train d'en chier à mort. Ici, un petit boost de résistance physique. Là, on n'arrive pas à percer. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Demi-tour là. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais il faut qu'ils se bougent les fesses parce qu'ils vont se faire défoncer sinon. Est-ce qu'on peut relancer un petit sort? Un petit sort au moins de base. Ça va soigner un peu. Le vrai problème c'est eux, hein. C'est un truc de fou. Voilà, baston quoi, ça c'est des boys orcs. Je sais pas pourquoi ils sont réenvolés mais... Ouh, comment ça a cédé d'un coup de leur côté? Bon, il reste la majorité du... La majorité de leur armée, mais je sais pas c'est quoi ça. Piège perfide, vitesse 25, traqué. Ok, ça doit être un truc spécial. Là, on va peut-être pouvoir les faire céder ici. On chope les archers, on neutralise les archers. Là, c'est en déroute. Là on va tenter du coup une... Donc peut-être qu'on pourrait se faire en sorte qu'ils s'enfuient. Non, il faut qu'on tente une charge de dos pour essayer de voir si on peut pas les faire céder. Tout simplement. Toi faut que tu recules parce que si tu tombes c'est mort. On envoie un soin. Là on a plus de munitions, bah dans le tas, on a foutre. Ok, ici c'est en déroute. Ah, mais il y a toujours ces chefs orques noirs là. Ouais, non, ce qui nous tue, c'est les chefs. Y a pas à chier. Regardez-moi ça, on leur a rien fait quoi. Le reste de l'armée, on l'a laminé, tout était en déroute, mais alors les chefs. Impressionnant quoi. Bon bah, c'est une défaite, ils sont venus à deux. Ils nous ont fait mal, faut que Chobilusion s'y mette, je crains. Ok. Coup de recrutement moins 5 pour Abdarin, pourquoi pas. A vaincu Festus. Parfait.
quête de l'éveil, on s'en fout, colonie mise à sac, sans surprise, l'ordre de doré avec le Stirland. Ah ok. Ah oui, il y a Collect le Devour Soleil là qui s'amuse. Pourquoi pas. Donc ici ils ont déjoué l'embuscade, on avait vu. On a reçu une peste, rien de grave. Une bannière des flammes. Un compagnon faucon. Cool. Par contre, bah ouais. Notre armée là s'est fait dépouiller. Donc ici on peut percer. Alors on va prendre les niveaux avant. Don de vie, ça me paraît bien pour toi. Ici, plus de vie, nickel. Toi. Un petit peu plus de vie et un peu plus de dégâts. Non, on a reconstitution aussi, mais on va aller en terrain ennemi, donc c'est moins grave. Ici, on va améliorer ça et on prendra la corruption après. Donc là, du coup, on pousse. L'armée, elle est 100% remise, quoi. Des attaques enflammées pour toi. On prend la reconstitution. Parce qu'on va prendre de l'attrition. On a une petite licorne, un compagnon faucon. Petite licorne pour Morgan von Briarb. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à Middleheim? Non. Du coup, on va reculer ici. Pour l'instant, on n'est pas pressé. Il y a Marienbourg qui y va. Si jamais Marienbourg y arrive, ça nous arrange parce qu'on est alliés. Donc ça me va s'il prend le truc. Je ne m'en plaindrai pas. Un petit supprimer la corruption ici. Et du coup, il est dans le mal. Hein. Là, ça va être probablement tombé. Là, ça va probablement tomber aussi. Ah, quoique non, il est en train d'aller chercher ça, bah, si tu veux. Est-ce que je peux lui donner une cible? Non, on n'a pas assez de points. On n'a pas assez de points, bah, c'est pas très grave. On peut construire un peu de croissance, un peu de reconstitution. Allez hop, c'est parti. Alors, là où ça va se jouer, donc Orion. Le chêne des âges, encore 4 tours, ça avance petit à petit. Orion, vas-y, fais-nous tomber ça. C'est de land, tu les occupes, en plus de ça, seulement 1400 balles si tu le rases. Autant dire qu'on s'en fout un peu. Ça c'est nul. On va mettre un petit bonus de croissance. Là il se refait. Mais d'ici qu'il le renforce, c'est pas demain. Ensuite, ici, du coup on a deux armées pleines, quasiment pleines, prêtes à tomber sur les bois mornes. Et ça c'est la merde. Et ici on est repassé à 13 tours de siège. Pourquoi pas, victoire à la Pyrrhus, on perdrait rien. On va la faire quand même, il faut qu'on avance ici. On va... on n'a pas besoin de sous, on a besoin de se reconstituer. Donc on va prendre ça. Ici normalement on est relativement en sécurité. Les bois mornes par contre, ils sont pas en sécurité. On va peut-être reperdre les bois mornes et ça va être la chaude illusion de s'occuper de les reprendre. Tu vas prendre ça. Et Nirdanel qui prend un petit niveau. Brume et reflet. Plus de vitesse. C'est vrai qu'il peut lancer des sorts en se déplaçant, hein, c'est pas mal. On va prendre ça, parce qu'il y a moyen qu'on aille. On ait besoin d'aller chercher là-bas. Je pense qu'ils vont. Il y en a au moins une qui va se jeter là-dessus. Mais il y a moyen qu'il y en ait une qui aille chercher là-bas. Là il s'est mis en campement pour se refaire. Ça m'a pris par surprise là. Honnêtement je sais pas d'où il est sorti ce Narchi qui devait être planqué dans le brouillard de guerre. Mais clairement... Et puis alors ces zigouillards ils sont hyper forts quoi.
impressionnant comment ils ont tenu des flancs à eux tout seuls pendant qu'en face les chefs forts qui découpaient le monde. Non, ouais, franchement, il m'a pris par surprise. Alors, Broodelf, comment ça se passe? Toujours pas. Putain, faut qu'on bouge ici, quoi. À un moment, faut qu'on fasse quelque chose. J'ai presque envie, j'aurais presque envie de me replier au bois morne en vrai avec Broodelf. Le camp d'Orion, il est relativement safe. Ouais, on va faire ça. En fait, on va faire ça. Est-ce que je suis déjà dans la province là? Ouais, donc je peux peut-être déjà me TP. Yes. Non, le chêne des âges, c'est pas le bon endroit. Les bois mornes. Broodelf, il réapparaît ici. Et du coup, il pourrait lancer un assaut. Mais on a. Ouais, ils s'autodéfendent les uns les autres là. Donc, viens là. On a Chobillusion qui est libéré. Ça prend un tour pour se recharger. Donc, si jamais on voit qu'il se pointe Krogger, on pourra y retourner. Toi, t'as fait ce qu'on voulait que tu fasses. Toi aussi. Toi aussi. Alors Nardwuin, comme prévu, du coup, Morati, elle est là et elle est en train de revenir. Elle a dû se douter que c'était, ça sentait l'arnaque. Mais c'est pas grave, elle est trop loin pour nous empêcher de faire ça. On va raser. On s'en fout d'occuper. Ah, par contre, recule pas trop. Ah. Ça, ça peut être la merde. Bon, on n'a rien perdu heureusement. Et l'armée de Moratic reste une armée de base, mais ça peut foutre la merde. Hein. Alors, éclair noir amélioré, dégâts explosifs. Ok, c'est un bombardement. Ça c'est pas mal, un petit bombardement amélioré. Du las. T'as le grand aigle, hein. T'as la mort venue des cieux, pas mal. On va te mettre un petit résistance aux projectiles vu que tu voles désormais. Et toi un petit peu plus de vie. Et si Morati arrive, backé par cette armée là, l'autre t'es trop loin. Il y a moyen qu'on résiste. Alors on peut construire un truc ici, on peut améliorer ça au niveau 5. Bah go. J'ai envie de dire, go. Alors nos autres armées, Arbdarin, normalement il peut commencer à bouger. Du coup, là il y a une armée qui raid son propre territoire. Ah non, c'est Novot du Vent Brûlant. Il y a la frontière est là, ouais ok. Et ils peuvent pas traverser à cause des canaux, donc on est libre d'aller assiéger leur cité et de la prendre. Et là on va pouvoir ensemencer cette fois. On n'a pas besoin de sous, mais on a besoin de recruter. On peut faire quoi ça? On s'en fout. On peut faire ça. Et là du coup, on peut toujours pas fusionner cela, mais on va peut-être pouvoir prendre quelques trucs en plus à la place des dryades, genre des arbres ou ce genre de choses. Ça va nous prendre 3 tours, je crois. On va en profiter pour prendre un petit rang au recrutement. Et peut-être des oats ou un dragon. On va voir ce qu'on prend. On va voir ce qu'on prend. Devrait quand même nous ouvrir des possibilités. Eux ils sont coincés, ils sont quasiment morts. Ça c'est quoi? Des rebelles, ok, il a du mal à tenir ses cités visiblement. Là il va bientôt y avoir un assaut parce que l'armée est pleine. Ah, là il y a Snitch qui s'amuse, mais il y a une armée full ici. Enfin pas full mais... qui devrait pouvoir gérer je pense. Et là il a une armée qui se balade, ok très bien. Ici... on peut attaquer ça et le raser. Ça devrait pas être insurmontable, voilà. On rase. Night and day.
Oh, mais l'épisode est très très long, dis donc. Je pense qu'il va être temps de s'arrêter. Je regarde un peu ce qu'on peut prendre. Demeure parmi les branches. Moins d'entretien, plus de déplacement. Bah oui. Go. Go, go, go. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!